Bonjour et bienvenue sur Bain d'Arrêt, la chaîne qui aborde la photographie argentique. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment conserver tes pellicules argentiques. C'est parti! Avant de t'expliquer comment conserver ces films argentiques, je vais te parler du film lui-même. Il faut bien comprendre qu'une pellicule est pourvue d'une durée d'existence. Tu trouveras sur l'emballage une date de péremption de ta pellicule. Entre la date de fabrication et la date de péremption, il y a ce qu'on appelle la période de maturité du film. Les fabricants ont classé en deux catégories les types de films qu'ils produisent, la catégorie amateur et la catégorie professionnelle. Tu trouveras par ailleurs sur les emballages de certains films ce terme de « professional ». N'y vois pas là une distinction réservée aux photographes professionnels, c'est tout simplement une information sur la maturité du film. En effet, un professionnel qui se procure des pellicules aura tendance à les exposer assez rapidement. Le film professionnel est mis sur le marché avec une date de maturité atteinte, il est donc prêt à être shooté. Les films dits amateurs sont produits et mis sur le marché bien avant que la date de maturité du film soit atteinte, car les fabricants considèrent que les délais avant l'exposition de la pellicule seront bien plus étendus. Entre le temps de stockage chez le revendeur et le temps de stockage chez l'utilisateur, il peut se passer de nombreux mois d'attente. On considère que pour un film amateur, la date de maturité se situe environ dans les 6 mois avant la date de péremption. Bien entendu, dans des conditions de conservation acceptables. Lorsque l'on atteint la date de péremption ou qu'on la dépasse, on se situe dans la phase de dégradation du film. Mais comprends bien que l'on parle de dégradation par rapport au rendu optimal donné par le fabricant. Je veux dire par là que ton film n'est pas pour autant à mettre au vide ordure. Si la phase de dégradation s'accélère à une température de 23 degrés et plus, l'émulsion de ton film se dégradera également au contact de l'humidité. Pour intervenir sur la phase de dégradation ou pour bloquer la phase de maturité d'un film, il faut que celui-ci soit conservé à une température inférieure à 10 degrés. C'est la raison pour laquelle le réfrigérateur est un allié pour ce type de stockage. Mais attention, un réfrigérateur est un endroit frais, mais pas dénué d'humidité. Il te faudra en conséquence conserver tes films dans leur emballage. Pour un film 24-36, la boîte ainsi que le tube plastique sont indispensables. Pour un film 120, c'est pareil. Idéalement, l'emballage cartonné ainsi que le blister sont recommandés pour la protection. Personnellement, je conserve systématiquement mes films dans une boîte hermétique, dans le bac à légumes, afin de protéger non seulement de l'humidité, mais aussi de quelconque manipulation d'un réfrigérateur qui pourrait endommager les films. Pour des films périmés depuis plusieurs années, le congélateur est un moyen de bloquer le processus de dégradation. Bien entendu, lorsque tu souhaiteras utiliser un film conservé au réfrigérateur, tu devras le sortir et le mettre à une température ambiante inférieure à 24 degrés, 8 heures avant son utilisation, en le laissant dans son emballage. Pour un film qui a été conservé au congélateur, je te conseille de le sortir 48 heures avant son utilisation, sans le sortir de son emballage. Une seconde solution de stockage pour tes films, c'est d'avoir un endroit frais et sec à l'abri de la lumière. Il faudra aussi que cet endroit ne soit pas exposé à des changements de température. Là aussi, tu peux mettre tous tes films dans une boîte hermétique. Une fois ton film exposé, il est conseillé de le faire développer très rapidement. Je te déconseille de le conserver au réfrigérateur. Si tu traînes à faire développer ton film, conserve-le dans une boîte étanche avec un sachet de dessiccant à une température inférieure à 24 degrés. Pour résumer, la chaleur, la lumière, l'humidité et les changements de température sont les ennemis jurés de ta pellicule, qu'elle soit exposée ou pas. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager sur tes réseaux sociaux. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Je te dis à bientôt et d'ici là, porte-toi bien. Ciao !